Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est les tests de création. Aujourd'hui, je vais tester un jeu qui s'appelle Une aventure féline par un membre qui s'appelle Trotteur. Okay? Un nouveau membre sur un héros. On lui souhaite la bienvenue sur cette communauté. Alors, Miaou, une aventure féline par Trotteur. Commencez le jeu. Oui. Un vendredi soir. Vous regardez tranquillement la télévision, avachi dans votre canapé, lorsque soudain quelque chose bondit sur votre jeu, sur vos genoux, c'est votre champ. Suite. Est-ce que je peux passer sur Enter? Non? Non, ok. Faire reculer en arrière. Reculer. Ok. Cliquez sur suite à ce moment-là. Miaou, donne-moi à manger, vous implore-t-il. La pauvre bête a l'air affamée. Vous n'avez pas honte au travail. Vous êtes dans le modeste salon de votre petit appartement. Il est décoré avec goût et tenu avec soin. C'est un deux pièces. Au nord, la chambre, à l'ouest, un coin cuisine, ainsi qu'une petite porte donnant accès à la salle de bain et aux toilettes. Aux toilettes? Il y a plusieurs toilettes. Votre chambre vous regarde avec insistance, la télévision allumée, diffuse des programmes sans aucun intérêt. Je viens de me rendre compte que le salon était déjà décrit et décoré avec soin. Décoré avec goût et tenu avec soin. Donc, effectivement, c'était pas nécessaire de regarder le salon. OK. Fait que c'est une aventure interactive. Donc, on peut réagir à notre environnement. Voyons voir. OK. Bon. Fait que là, on peut aller au nord, à l'ouest, où il y a une petite porte. Donc, regarde. Fait qu'on peut dire, par exemple, regarder porte. Bon. OK. Tant pis. Bon, regardez. C'est sûr que, bon, là, ben, certaines mauvaises langues vont dire que je pinaille, là, mais selon moi, c'est toujours important dans une aventure graphique comme ça, de s'assurer que tous les éléments, tous les éléments, tous les noms, en fait, tous les noms communs ou les noms propres, sont identifiés comme ça on peut les regarder. Ça favorise l'immersion. Alors, bon, on va dire ouvrir la porte. Ouvrir porte. Hein? Ok. On va regarder encore. Ok, fait que là. Ah, ok, fait qu'à l'ouest. À l'ouest, c'est le coin cuisine. Et ok, d'accord. Fait qu'il y a deux directions possibles finalement. Ok. Je pense qu'il y avait une télévision. Ok, regardez. Télévision. Ok, fait que ça n'a pas la main. C'est pas grave. Regardez. Bon, on va aller au nord. C'est votre chambre, une pièce coquette, au teint violette, un grand lit de place et au milieu de la pièce. Regardez. Être joli lit, mais vous auriez plutôt du cul de chat. Bon, parfait. C'est bien. En tout cas, là, c'est bien que tu l'as pris en considération. Peut-être que les images pourraient être plus grandes si elles sont un petit peu petites. Ok, regardez sous le lit. Ça n'a pas fonctionné. Ok. Fouiller. Chambre. Fouiller la chambre. Ça fonctionne pas non plus. Peut-être que ça pourrait être bien d'avoir un. Peut-être que ça pourrait être bien d'avoir une liste des verbes qui sont possibles. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici, fait qu'on va retourner au sud. Est pour sud. On va aller à l'ouest. Voilà un coin cuisine, en fait un évier, un frigo et deux plaques électriques. Mais étant loin d'être un grand cuisinier, vous vous en comptez largement. À l'est, votre salon, à l'ouest, la salle de bain. La gamelle de votre chat traîne par terre. Normalement, dans les conventions ici, on met une description en haut, puis finalement, les objets avec lesquels on peut interagir en bas. Voilà, on va prendre la gamelle. Prendre gamelle. On va sur I normalement, on a accès à l'inventaire. Inventaire d'abord. Équipement? Non? Ok, en tout cas, je sais pas si malheureusement, là, je ne peux pas avoir accès à ce que j'ai sur moi. En tout cas, c'est pas. Regardez. Bon, là, la gamelle a été éliminée vu que je l'ai. Parfait. Ouvrir frigo. Ouais, il y a une boîte de pâté pour chat. Déjà ouverte. Bon, prendre pâté pour chat. Ok. Vider boîte dans gamelle. Donner gamelle au chat.
OK, ben, tu sais, c'est sûr que c'était bien. C'est sûr, c'est vraiment court, là. J'aimerais vraiment beaucoup que tu en écrives un autre. Je pense que c'est le genre d'activité, le genre d'aventure que tu pourrais. Je sais que tu as plein d'idées puis tu aimes beaucoup les choses comme ça. Je pense que tu pourrais faire de quoi de vraiment pas mal. Alors voilà. En gros, c'était intéressant. C'est juste dommage que ça soit aussi court. À bientôt.